Salut tout le monde! Alors, comme convenu, on est là aujourd'hui avec Rémi pour vous présenter le contenu de la box 100% Westin de janvier. On va d'abord vous montrer les sealers qui sont à l'intérieur, dont la grosse nouveauté. Et puis ensuite, Rémi va vous présenter ses deux coups de cœur dans cette box et vous expliquer comment il les utilise. C'est parti, je vous montre ce qu'il y a dedans. On a fait un mix d'abord, leur souple, leur dur, pour pouvoir s'adapter à la saison. On commence par le swim, une vraie référence chez nous, vous le connaissez sûrement, un glide bait, récupération linéaire au moulinet, ça nage tout seul. Vraiment une valeur sûre pour le brochet. On a mis le petit frère également, en plus petite taille, que vous allez pouvoir utiliser sur la perche, et c'est le même principe de fonctionnement. Et puis on finit sur les lordures avec un crank, le Buzz Bite, crank à flanc plat, celui-ci c'est un modèle suspending, récupération au moulinet, nage très très serré, vraiment quelque chose d'efficace sur la perche, sur le centre, sur le chevesne, enfin bref, une petite boucherie. On passe sur le souple maintenant. On vous a mis plusieurs formes de leur soupe. On commence par une forme shad typique, le Ricky the Roach, que vous allez pouvoir monter sur une tête plombée ou sur une tête à visser pour chercher le broc ou le sandre. Ensuite, à l'heure un petit peu plus particulier, le holotis. Également une forme shad avec une caudale derrière. Par contre, un leurre percé dans lequel vous allez pouvoir insérer un morceau de mousse pour d'une part mettre de l'attractant dessus et puis également faire flotter le leurre si jamais vous voulez le monter par exemple en Carolina. Et je finirai par la grosse nouveauté dont on vous a parlé, le Ring Crow, un double queue, vraiment très très efficace, notamment sur les pêches Carolina. Et là, je pense que Rémi va vous en dire plus. À toi, Rémi. Salut à tous, salut Alex. Donc comme vous disait Alex, le Ring Crow, vraiment un gros coup de cœur pour moi, une nouveauté hein, chez Westin. C'est un leurre qui est ultra polyvalent. Vous allez pouvoir pêcher soit sur une tête plombée, soit en montage Carolina. Et moi, c'est vraiment un leurre que j'affectionne pour pêcher en Carolina. Tout simplement sur des zones dégagées où j'ai besoin de faire de la prospection rapide pour trouver les poissons. C'est vraiment un très 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 bon leurre à utiliser de toute urgence. Après, on a le swim, l'incontournable swim de chez Westin. Donc c'est un glide bait, c'est un leurre qui va nager en S, qui se ramène au moulinet très simplement, à utiliser aussi bien pour les experts que pour les novices. C'est vraiment un leurre qui prend énormément de carnassiers. Eh ben merci Rem. Donc j'espère que les explications de Rémi vous auront aidé, et puis vont vous permettre de faire de nombreux poissons. Donc maintenant, on vous laisse aller essayer votre box et surtout, faites-vous plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.